grab it, ratchet, smack it, good. Up and down, up on that wood. Got that ass up like I should. Drop it like gravity. De la série Back to School. Je suis super super contente. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai beaucoup bossé sur cette série. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour vous proposer des vidéos variées, des vidéos qui vous plaisent en fait, qui pourraient vous être utiles. Donc voilà, qui pourront vous être utiles. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette en fait. Donc voilà, vous avez été quelques-unes à me demander de vous faire des recettes pratiques, simples mais originales en fait, qui changent de ce qu'on peut voir tous les jours, qui changent de ce qu'on peut manger tous les jours quand on est en cours, qui changent de ce qu'on peut acheter tous les jours quand on est en cours, du petit sandwich club, etc. Donc voilà. Donc sachez que pour certaines recettes, c'est beaucoup mieux de les préparer la veille, de prendre 15 minutes, 20 au maximum, mais 15 minutes c'est vraiment suffisant pour les préparer. Moi je sais que je suis tout le temps à la boue le matin, je pense que vous le savez maintenant. Et du coup voilà, je préfère me préparer mes petits lunchs le soir tranquillement, en me démaquillant, etc. En regardant la télé, je fais ça en même temps tranquillement. Et le lendemain je suis tranquille, j'ai juste à réchauffer, soit en cours, parce que moi je sais que j'ai des micro-ondes à ma disposition. Mais si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez réchauffer avant de partir en cours. Après c'est des choses qui peuvent se manger froides. Après moi j'aime bien manger très très chaud, mais après ça dépend vraiment de vous. Mais généralement il y a toujours un micro-ondes, etc. au lycée, etc. Mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Pour certaines recettes, mieux vaut les préparer la veille. Et pour d'autres recettes, vous pouvez les préparer rapidement le matin en 10 minutes. Donc voilà, de toutes les façons, je vous explique tout en détail dans la voix off. Donc j'espère que j'aurai été assez précise et que ça vous plaira. Et je crois que je vous ai tout dit dans cette année, je vous ai aussi fait des petits déjeuners, 3 idées de petits déjeuners. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai adoré, c'est vraiment des recettes qui sont hyper bonnes, je vous promets. De toutes les façons, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez déjà, oui. Donc voilà, donc j'arrête de parler et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira et ça commence tout de suite. On commence bien sûr par le petit déjeuner. Donc là, on va tout simplement réaliser des barres de céréales maison. C'est vraiment hyper bon, en tout cas moi, j'adore ça. Donc sachez que tous les détails des mesures, etc. seront en barre d'infos. Donc je commence d'abord par prendre du beurre et j'utilise en fait une petite tasse pour mesurer, entre guillemets, mes mesures tout au long de ma recette. Donc je commence par prendre un petit peu de beurre. Ensuite, je fais la même chose avec du sucre, toujours dans ma petite tasse en fait. Et je termine par du miel. C'est un petit peu tout ce qu'on va faire en tout cas pour tout ce qui est préparation. Donc je mets à peu près la même quantité de miel. Je viens ensuite verser le tout dans mon grand récipient et on va tout simplement venir fondre le tout au bain-marie. Moi je n'ai pas de micro-ondes à mat, donc c'est beaucoup, ça prend un peu plus de temps. Si vous avez un micro-ondes, c'est emballé, pesé, c'est beaucoup plus rapide. On vient ensuite, une fois que tout a fondu et que tout est bien mélangé, je vais ensuite ajouter de l'essence de vanille. J'adore ça, donc la quantité là dépend vraiment de vos goûts. Donc je vais ensuite mélanger le tout pour que ce soit homogène. Après ça, je viens tout simplement ajouter des flocons d'avoine et du riz soufflé à ma préparation. Donc on met beaucoup plus de flocons d'avoine que de riz soufflé. Le riz soufflé, c'est vraiment pour apporter ce petit côté croustillant que moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on vient tout simplement mélanger le tout, pardon. Rien de bien compliqué, donc il n'y a pas de technique particulière. Le but en fait, c'est d'obtenir une texture comme celle-ci. Ensuite, je viens tout simplement beurrer une plaque de four ou un plat si vous en avez. Moi, je n'ai pas de plat mat, donc je fais avec ce que j'ai tout simplement. Et je viens appliquer une feuille de cuisson et ensuite on va tout simplement étaler notre préparation sur notre plaque en fait, et le tout c'est de bien venir tasser en fait la préparation. Donc n'hésitez pas à faire comme je fais, à bien tasser avec une cuillère, ensuite utiliser les mains pour que vraiment la préparation soit bien compacte en fait. C'est vraiment ça le secret. Je vais ensuite ajouter des petits copeaux de chocolat parce que vu une touche de gourmandise, ça ne fait jamais de mal. Et ensuite je viens appuyer avec une feuille de papier sulfurisé pour que mes petits copeaux de chocolat s'imprègnent bien. Il suffit de mettre le tout au four pendant 10 minutes et le tour est joué. Après, vous pouvez venir couper vos petites barres et vous avez ce résultat-là. C'est hyper bon, c'est hyper pratique à manger, à emporter sur soi, dans le métro, dans la voiture avant d'aller au boulot. Et voilà! Drop it like gravity. Scissor.
On passe maintenant à la recette numéro 2. Il s'agit tout simplement d'une recette de pain perdu un petit peu revisité. Donc, je vais prendre un œuf, de la farine. Je mets ça dans un petit bol. Pas besoin de plus. Ça fera largement l'affaire. Donc, je viens d'abord mélanger mon œuf du moins et ma farine pour éviter les grumeaux. Encore une fois, j'ajoute de l'essence de vanille parce que moi, j'adore ça, comme je vous l'ai dit. Je viens ensuite ajouter juste un tout petit peu de crème fraîche, 3 cuillères environ, rien de plus. Un tout petit peu de lait, pas trop non plus. Il ne faut pas que la préparation soit trop liquide. Je viens bien sûr ajouter un petit peu de sucre, je mélange le tout et c'est emballé, pesé comme je le dis souvent. Donc voilà, donc vous mélangez le tout. Une fois que votre pâte est homogène, vous pouvez en fait venir prendre de la brioche. Moi je n'avais pas de brioche, c'est difficile de trouver de la brioche à Malte, donc du coup j'ai pris du pain. Donc sachez que si vous n'avez pas de brioche, du pain tout simple, ça fera largement l'affaire. Je viens ensuite faire des tranches de pain, des rondelles de pain. Et au milieu de chaque rondelle, de chaque tranche, en fait, je viens faire une entaille comme une fente en fait. Et ensuite, on va venir y mettre du Nutella. Ça, c'est ma recette. Ça, c'est la recette qui me ressemble le plus, je pense. Et c'est vraiment hyper bon en plus. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir ensuite prendre notre préparation et on va la verser en fait dans une assiette un petit peu creuse. Ce sera beaucoup plus facile pour nous d'imbiber du coup nos petites tranches. Donc plus vos tranches en fait sont imbibées, pour moi mieux c'est après. Donc voilà, donc on imbibe nos tranches de chaque côté, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ensuite on va tout simplement venir les mettre en fait dans une poêle chaude avec un peu de beurre pour faire cuire un petit peu le tout. Donc il ne faut pas les laisser trop longtemps, il ne faut pas mettre le beurre trop longtemps avant pour éviter qu'il ne brûle en fait. Il faut vraiment obtenir ce résultat un petit peu doré. Et c'est tellement bon, mais vous n'imaginez même pas. Donc une fois que c'est terminé, donc quelques minutes suffisent, 2-3 minutes suffisent vraiment. On va venir ajouter des fraises parce que je suis hyper gourmande et que du coup, ça fait, vous savez, du pain, des féculents, des fruits, 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, donc je vais tout simplement couper des petits morceaux de fraises. J'ajoute ça grossièrement et voilà, le tour est joué. Maintenant à la dernière recette et c'est un peu le 2 en 1, vous pourrez le voir. Donc on va d'abord commencer par faire des granolas au beurre de cacahuète, c'est vraiment hyper bon. Donc je commence par mettre de côté des flocons d'avoine encore une fois et là on va prendre du beurre de cacahuète et du miel. Donc je commence par mettre environ 2 grosses cuillères de beurre de cacahuète dans ma petite tasse encore une fois. C'est vraiment hyper pratique d'utiliser des tasses ou des bols pour doser et ensuite je viens ajouter environ 3-4 cuillères de miel, ça dépend vraiment, mais je pense que là j'ai mis 3 cuillères, ça dépend de vos goûts, si vous aimez que ce soit beaucoup sucré ou pas, ça dépend vraiment de vous. Ensuite, je vais mettre ma petite préparation dans un petit bol en fait, et encore une fois, on va venir faire fondre le tout au bain-marie, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça au micro-ondes, moi je n'en ai pas malheureusement, donc voilà, donc je fais comme ça et ça convient parfaitement, tout dépend de vous. Hein. Donc ensuite, je viens mettre mes flocons d'avoine dans un plus grand récipient, et je viens mélanger ma préparation, de beurre de cacahuète et de miel. Et ensuite, on vient tout simplement mélanger le tout. Donc, il faut vraiment en fait que nos flocons d'avoine soient bien enrobés de notre préparation en fait. C'est vraiment ce qu'on veut obtenir. Donc, une fois que votre résultat est plutôt homogène, on va tout simplement venir étaler notre pâte sur une plaque de cuisson et on va quand même mettre une feuille de cuisson. C'est beaucoup plus pratique après. Et ensuite, on va vraiment essayer d'étaler la chose de façon un petit peu homogène. Voilà, on va essayer de combler les trous, de faire quelque chose d'assez plat. C'est beaucoup plus facile ensuite pour la cuisson. Et je viens mettre le tout au four pendant environ 18-20 minutes. Donc, je vous conseille de faire ça à la veille ensuite. Ça se conserve hyper bien. Vous pouvez faire ça à la veille. Vous en avez pour la semaine, pour le mois. Ça se conserve vraiment hyper bien au frais. Je n'ai pas précisé, mais il faut vraiment attendre en fait qu'il soit complètement refroidi pour qu'il soit croustillant. Voilà. Donc, ensuite, là, on va venir faire une petite recette vraiment hyper pratique pour les matins quand on n'a pas le temps, qu'on est à la boue. Donc, dans ce récipient, je viens ajouter mes petits granola au fond. Ensuite, j'ajoute en fait un yaourt, tout simplement, quelques morceaux de fraises et c'est emballé, pesé, le tour est joué. On passe maintenant
maintenant à la partie déjeuner. Donc là, on va tout simplement réaliser un riz cantonais maison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore la cuisine asiatique. Donc là, je fais tout simplement cuire des petits morceaux de blanc de poulet. Une fois que c'est cuit, je mets le tout de côté. Je viens ensuite faire cuire un œuf au plat. Rien de bien compliqué. Vous faites ça comme vous le sentez. 2-3 minutes, ça suffit, je crois. Et ensuite, je viens faire cuire des petits pois et des carottes. Il y a toujours des petits pois et des carottes dans le riz cantonais. Je viens ensuite mélanger le tout dans ma poêle parce que voilà, c'est un riz cantonais. J'ajoute du riz, bien sûr. Ensuite, on vient mélanger le tout histoire que ce soit homogène, etc., etc. Je vais ensuite ajouter de la sauce soja parce qu'il y a toujours de la sauce soja. Et moi, j'adore ça personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ça. Donc voilà, ensuite on vient mélanger le tout et je vais juste ajouter du poivre. Juste du poivre et le tour est joué. Vous pouvez mettre le tout dans une lunchbox et attendre la pause déjeuner pour tout manger. Take me. Deuxième recette, on va venir réaliser un sandwich avec des brocolis. Oui, un sandwich avec des brocolis, mais attention, c'est vraiment hyper bon. Donc je vais tout simplement couper des brocolis, vous savez, mais juste les feuilles là, pas la partie dure, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais ensuite couper du cheddar, donc vous savez, les tranches de cheddar là qu'on peut mettre dans les burgers. Rien de bien compliqué, vous coupez ça comme vous voulez, moi je fais ça comme ça parce que j'aime bien faire les choses de façon un petit peu symétrique. Ensuite, on vient couper du jambon, donc moi je les enroule, couper ça vraiment, pardon, comme vous le sentez. Pas de technique particulière. Je viens ensuite mélanger le tout. En fait, il faut que le fromage colle un peu au jambon et au brocoli. C'est beaucoup plus facile après pour faire notre sandwich. Donc, j'ai ensuite étalé le tout sur une tranche de pain complet parce que c'est toujours mieux que le pain blanc, même si moi, personnellement, j'adore le pain blanc. Mais le pain complet, ça fait du bien de temps en temps. Donc, j'étale vraiment bien ma petite préparation. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça tienne bien dans sur ma petite tranche de pain. Et ensuite, je viens tout simplement recouvrir le tout. Et on va venir, en fait, le faire cuire, ce petit sandwich. C'est vraiment le côté un petit peu original parce qu'à la fin ce sera vraiment hyper croustillant, donc je mets ça dans un petit peu d'huile. Donc là je mets quand même plus d'huile que ce qu'il ne faut parce que ma poêle en fait colle un peu, je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Donc après ça, ma foi, le tour est joué. Une minute à peine sur chaque côté, je dirais même quelques secondes, 30 secondes, et c'est emballé, pesé encore une fois. Donc je vais quand même couper mon sandwich en deux parce qu'on va l'emporter, c'est toujours beaucoup plus simple après à manger, beaucoup plus agréable surtout. Et voilà, c'est terminé. Recette number 3. Donc là, on va tout simplement faire en fait des tacos de saumon. C'est vraiment hyper bon, c'est hyper rapide. Je pense que c'est l'une des plus rapides en fait. Donc voilà. Donc je fais tout simplement cuire en pavé de saumon de chaque côté. Quelques minutes, vraiment, ça suffit. Une fois que ça commence à être doré, c'est emballé, pesé. Donc une fois que mon saumon est prêt, on va venir en fait le découper pour que ça puisse rentrer plus facilement dans nos petits tacos que vous pouvez voir juste là. Donc voilà. Donc je coupe mon saumon. Pas de technique particulière encore une fois, même si ça se casse un petit peu. Au fond, on s'en fiche en fait. Donc voilà. Donc je mets ensuite mon saumon dans mon tacos. Donc ceux-là sont assez petits, je n'en ai pas trouvé de plus grand. Mais sachez que si vous êtes plus gourmand, vous pouvez trouver des tacos beaucoup plus grands. Je vais ensuite couper et ajouter du coup mes petites tomates cerises parce que vous savez que j'adore ça, j'aime beaucoup les petites tomates cerises. C'est hyper pratique à manger, etc. Donc j'ajoute mes petites tomates cerises. Ensuite, j'ajoute tout juste en fait de la salade. J'avais acheté de l'avocat, mais j'ai oublié de le mettre. Voilà. Mais si vous avez de l'avocat, c'est vraiment hyper bon. J'ajoute un peu de sauce. Choisissez vraiment celle que vous préférez. Je mets le tout dans ma lunchbox. Et encore une fois, le tour est joué. Pour notre
titre de cette recette, on va venir faire en fait un riz inspiré des paprikas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, on voit ça tout de suite ensemble. Donc je viens faire cuire des petits blancs de poulet, j'ajoute des petites tomates que j'ai coupées, des tomates cerises encore une fois. Je viens poivrer et persiller, mettre du persil. J'ajoute ensuite du concentré de tomates et un petit filet d'eau pour faire de la sauce. Je viens bien sûr mélanger le tout et ensuite je vais tout simplement ajouter du maïs parce qu'il y a souvent des maïs, du maïs dans les fajitas. Je viens saler le tout pour ne pas que ce soit fade en fait et je laisse en fait épaissir ma sauce. C'est vraiment hyper important pour ne pas que votre riz soit trop mouillé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que le tout est mélangé, que j'ai ajouté mon riz, etc., je vais tout simplement venir en fait mettre mon riz dans un poivron. Vous pouvez en faire plusieurs, mais moi, un poivron, ça me suffit largement. Donc je coupe mon poivron tout simplement en deux et ensuite je vais venir le vider. Donc il n'y a pas de technique particulière encore une fois, de toute façon il n'y a pas grand chose dans un poivron normalement, et ensuite je vais tout simplement venir garnir mon poivron. Donc je fais ça grossièrement avec une cuillère, j'essaie de ne pas trop déborder pour que ça reste joli. Vous voyez, vos collègues et vos copines seront jalouses. Je suis sûre que si vous faites ça, vos collègues et vos copines seront jalouses. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me mettre un pouce bleu ou un pouce vert, je ne sais jamais en fait si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, ça me fait plaisir, c'est un moyen pour moi de voir que ça vous a plu, que ça vous plaît. Et c'est un moyen pour vous de me soutenir si ça vous dit. Donc voilà, donc plein de bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.